Salut à tous, c'est Orsalvit, on se trouve pour l'épisode 6. Du coup c'est vraiment l'épisode 6 celui-là parce que quand j'ai regardé dans la galerie voilà de la PS4 où les vidéos sont stockées, là j'avais pas vu qu'il y avait une vidéo qui était assez courte, donc petite vidéo voilà. Et du coup voilà, j'ai regardé un peu sur ma chaîne YouTube, du coup la dernière vidéo que j'ai mis c'est l'épisode 4, du coup là c'était l'épisode 5. J'ai même regardé la vidéo, voilà, donc c'était bien l'épisode 4. Hein. Donc voilà. Du coup, à la fois, on avait fait quelques combats, donc on a réussi à faire une quête voilà, secondaire. On a fait deux quêtes, on a fait quelques quêtes clés, et j'ai réussi à en faire deux. Puis après les autres, j'avais galéré contre l'espèce de méchant qui ressemblait un peu à celle, voilà. Et on avait été voir dans d'autres zones, voir pour au niveau des quêtes, voilà, ce qu'il y avait au niveau des quêtes de clés. Et après, comment dire, on s'est promené, en plus de se promener, on était voir les boutiques, hein. Donc j'ai acheté quelques techniques, donc j'ai acheté le Kamehameha de Genkidama, le super Genkidama. Donc avant que je sois en vidéo, j'étais voir dans d'autres zones, au niveau des techniques et tout ça. Et comment dire, en fait, au niveau des attaques, ça change pas trop. Enfin, ça, j'ai pas vraiment regardé, mais j'ai regardé un petit peu. Franchement, dans une autre zone, il y avait le Kamehameha, il y avait tout ça. Voilà, et puis. Il y avait aussi. J'ai pas vu d'attaque de Mikael Larsson dans l'équipe, enfin dans la boutique. Alors est-ce que au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'histoire et puis qu'on va faire les quêtes clés, est-ce qu'on va débloquer de nouvelles techniques qui vont s'ajouter à la boutique? Donc peut-être, voilà. Donc après, par contre, dans certaines zones vous allez avoir des objets, voilà. Alors Pierre, on avait vu dans la zone de Luffy, voilà, de l'équipage, il y avait des chapeaux de paille qu'on pouvait acheter, il y avait l'équipement. Et dans la zone où c'est à peu près le territoire de Naruto, on avait. Kamehameha! Alors j'ai vu qu'il y avait un autre Kamehameha aussi. Ah oui, il y a même le style, lui, il y avait le style aussi. Il y avait quoi, le style Super Saiyan aussi avec nous. Ok. Une fois mon petit lama et maintenant il est bête. Oh,
D'accord, bon. Par contre, si vous savez comment. Comment dire, au niveau des attaques ultimes, je sais pas comment ça se déclenche parce que j'ai jamais compris vraiment. Depuis que j'ai le jeu, parce que. J'ai l'impression qu'il faut se faire tabasser par l'adversaire pour. Genre pour charger une chose d'attaque spéciale invisible, parce que je suis désolé, c'est pas possible. Clairement, je suis au niveau maximum, mais voilà. Clairement, niveau 5 de la jauge, c'est niveau maximum, du coup là je pourrais bastonner. Allez, plus vite, j'ai pas ça qu'à foutre. Bon. Oh merde. C'est incroyable, c'est souvent quoi. Voilà. Par contre, je suis désolé. Vu que c'est du jeu de 1v3, quand on sauve le personnage, clairement, on devrait même pas avoir la même barre de vie. Super Mickey Dama. Évidemment. Non, non, mais. Ça, par contre, je suis désolé, l'ordinateur il a été mal programmé. Hein. Parce que je suis désolé. Tu vas voir, lui. J'espère qu'il faut améliorer les effets des attaques parce que.
clairement le Super Ziggy Dama, il doit faire plus de dégâts que ça. Voilà, ah bah putain. Les ordinateurs sont tellement vraiment pétés dans les jeux vidéo comme ça. Attends, vous faisiez ça, vous allez réussir à avoir l'avantage, mais en quelques secondes, l'avantage vous allez le perdre parce que l'adversaire, bah, soit l'adversaire comme j'ai dit dans le précédent épisode, l'épisode 5, voilà, il va vous enchaîner, vous allez quasiment pouvoir rien faire, même pas sortir du combo, même pas vous téléporter, même pas y contrer. La moitié des attaques que vous allez y faire, même pas, il faut même pas en parler, et ça va passer dans le vide. Non. R1 carré. Vraiment, je la maîtrise bien cette technique là parce que. Lève la garde parce que franchement pète la garde franchement. Non mais là si j'ai galéré dans la dernière mission c'est parce que j'étais pas bon niveau, j'ai pas niveau 15. C'est vrai dans les jeux RPG, c'est vrai que quand t'es pas au bon niveau tu galères, enfin, ce qui est logique. Mais là sûrement j'aurais dû attendre le niveau 15 ou même voir le niveau 16 avec cette mission. En fait, c'est plus compliqué. Il va falloir. Enfin, contre un mec qui ressemble à Hulk. Je me renseigne un peu mieux, est-ce que clairement si le gameplay est quasiment similaire à Xenoverse,
Clairement, il doit avoir des systèmes de soins. D'ailleurs, je crois dans Visiteur Versus, je crois qu'il n'y avait pas de truc de soins. Enfin, je sais plus. Je crois qu'il y en avait, mais je m'en souviens pas. Ça, ça. Ne cherche pas. Je vais t'enculer. Bon, désolé mec, c'était trop loin, ça va pas marcher. Oh, j'allais t'avoir petit enculé de merde. Ah, encore deux niveaux, je serai au bon niveau. Enfin, comme je connais pas beaucoup Naruto, enfin, j'ai vu quelques épisodes, mais voilà. C'est parce que pas. Ah merde, merde. Très bien. On va voir si c'est quand même de ce que c'est. C'est quoi ce qu'il y a de qui d'abord? D'accord. Alors mec, tu vas te calmer un peu. C'est parce que t'es un dadé, t'es un tas de grosses muscles, t'es le plus fort. Non mais vous voyez comment on peut très vite se faire malmener. Même si on connaît tous les combos à faire, toutes les techniques à faire, pour le contrer tout ça. Aïe. Aussi pire que les membres de l'Organisation 13 en Kingdom Hearts 3. Voilà. Voilà, on m'a donné qu'ils sont vraiment pétés. Enfin, ils sont pas si durs que ça quand tu les connais. Calme-toi mon gars. Oh, j'ai perdu Kidama.
Non. Putain, s'il est méchant, pouvait nous entendre. Non mais si vous êtes... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis désolé. T'as fait ton attaque, tu devrais attendre qu'on soit relevé pour pouvoir te frapper. Putain, même mission principale, elle est aussi dure qu'une mission clé, putain. Punaise, plutôt. Bon, t'arrêtes de me taper alors que je suis au sol. Non mais si on peut prendre des conseils tactiques, mais il faut qu'on soit quasiment maltraité, c'est pas la peine quoi. Oh non, en plus là il l'a même pas pris quoi, mais... Tu vas voir. Voilà. Tu m'as trouvé. Prenons un piste la volonté. Tu fais chier Luffy au bout d'un moment. Il est vénère et puis il te casse la gueule, voilà. Comme Goku. Voilà, on va s'arrêter là après. Donc avoir peut-être certaines missions clés, il faudra peut-être que je les fasse hors caméra. Et qu'on aura juste le petit passage, quoi. Là, le... Ou si des fois c'est le. Si des fois c'est le patron qui devient qui se fait posséder, comment ils vont être pétés, oula. Je demande bien combien de personnes ont réussi à finir le jeu si c'est comme ça. Enfin, j'espère que tout va. Ah oui, on va pas trop fort. Mais c'est quoi ce délire d'attaque? Alors attends, on va essayer de gagner. Voilà. On apprend un peu, je faisais encore game over. Enfin, je perdais. J'adore ce... C'est le personnage qu'on n'utilise pas trop, qui prend des niveaux. Alors que nous, on prend notre avatar, on bastonne, on se prend des dégâts, on fait des game over parce que, voilà. Parce qu'on a eu l'avantage pendant un court instant, mais... Hop, l'avantage c'est quand une forme de fusion ou une transformation de Super Saiyan. Ça dure pas longtemps et puis hop. C'est dans les mangas, dans les. Non, l'animé c'est souvent comme ça. On va galérer contre les héros vont galérer contre un méchant. Ils vont avoir l'avantage et après ils vont se prendre une dérouillée, ils vont revenir, ils donnent une bonne dérouillée aux méchants, ils vont se reprendre une dérouillée. Alors mec, tu vas te calmer par contre parce que je suis désolé.
mon gars. Bon, t'arrêtes de te protéger, enculé de merde. Et voilà. Parce que monsieur l'adversaire a décidé les 60 ultimes, j'étais trop proche évidemment. Et monsieur, comment dire, et monsieur n'a pas arrêté de se protéger. Ouais. Va falloir que je trouve le moyen de péter leur garde parce que... Non mais voilà. C'est que vous allez tellement vous faire malmener quand je vous dis. Que vous allez attaquer, enfin des attaques spéciales, mais au final ça va servir à rien parce que l'attaque va passer à côté. Ah, tu commences pas. Non, alors par contre. Alors, mec, je suis désolé. Les mecs, mais clairement, j'ai attaqué avant. Clairement, ton attaque aurait pas marché. Ah, évidemment. Non mais comme pas, c'est comme s'ils connaissaient mes attaques que j'allais faire, mais genre, attends, je fais mon attaque. Mais genre, il l'avait envoyé avant. Mais tout à l'heure, je l'ai envoyé avant, mais non, il l'envoie une seconde après, mais non, c'est lui qui gagne. Ah, si vous avez une force 2, il faut corriger ça, il faut corriger quelques petits trucs les développeurs, parce que, voilà, ça va pas le faire. Le seul moyen c'est de faire les combos avec les téléportations. Et que moi je vais comment dire, je vais là, voilà. Alors, ça fait quoi de louper son attaque du team? Non mais genre... Non mais j'ai... Putain! Comment vous avez programmé l'ordinateur, franchement? Alors je comprends pourquoi pour les quêtes annexes, on a le choix du mode difficulté, mais pas pour les missions clés. Ça par contre, là, je suis désolé, c'est dommage. Ah oui, je comprends, maintenant je comprends pourquoi le Gen Force, il est pas très connu sur YouTube. Enfin, il n'a pas très...
Y a pas beaucoup de let's play sur YouTube, hein, complet. Non mais genre là j'aurais pu faire mon Zekidama. Alors j'ai galéré contre le premier. Là j'espère que c'est le dernier parce que c'est bon. On va pas faire que ça, lui casser la gueule et puis se faire casser la gueule ensuite. Et là le chargement qui ne sert à rien sérieux. Ça fait perdre du temps plus qu'autre chose. Pourtant c'est pas mal ce que je fais mais. Mais quand j'arrête pas de le dire, l'ordinateur était mal vous. Enfin mal. Bon, t'arrêtes de te protéger. Non mais genre il s'est même pas pris quoi mais. Là par contre là je suis désolé. Là terrement je sais pas où t'étais trop. Là c'est là qu'il manque vraiment le viseur style Dragon Ball. Dragon Ball comment dire Dragon. J'arrête pas de dire Dragon Ball Xenoverse où il y avait le viseur pour savoir à peu près où il était. Et y a rien pour savoir où il est quoi quasiment. Et après ils ont osé faire le collecteur aussi cher juste parce qu'il y avait figurine quoi mais.
Maintenant le Super Genkidama et t'intéresse à te le bouffer sérieux. Bon, très bien. C'est abusé que le Genkidama ne fasse pas aussi vite. Bon, t'arrêtes de te protéger. Non mais Zanji, il arrête pas de se protéger, ce bâtard de merde. Genre un jour qu'il y a une manette où t'appuies juste un bouton et puis ça fait tout, bah putain, ça va être incroyable. Genre le bouton, t'appuies sur une telle façon de bouton, ça te fait la parade. Alors, je sais pas, heureusement que le jeu est pas sorti dans les années 90 parce que... Bon. Non mais en fait les attaques G ça sert à rien quoi parce que... Donc quand faut bien les placer quoi. Bon, arrête de te protéger. Attention. Voilà. Voilà, bah putain. Assez dur. J'ai pas fait gaffe, c'est vrai. Vous avez vu, qu'il y avait des capacités, des genres de petites capacités, des trucs de bonus à mettre. Attaque ou esprit, je sais pas à quoi ça sert. Enfin, je pense à les attaques, ça sert à améliorer les attaques. Peut-être pour un court instant, mais je sais pas où on les met, ces trucs-là. Enfin, je regarde. C'est bon, là, c'est bon, il y a cassé la gueule. Donc moi je vais m'arrêter là, mais je pense que je vais enregistrer la petite vidéo. Enfin, je vais peut-être faire une coupure et puis faire le prochain combat, parce que je ne sais pas combien de minutes je suis. Et comme je répète, quand on enregistre avec la PS4 directement avec le bouton share, bah il n'y a pas de temps quoi. Il n'y a pas de petit chrono que la YouTube, enfin que ceux-là qui enregistrent qui vont voir. Voilà. Et comme j'ai beaucoup galéré, j'ai pas envie de me faire galérer encore une fois dans une vidéo que ça soit trop long.
je préfère m'arrêter là, et puis si je le gagne, ben, faire une coupure, puis prendre les deux vidéos, puis hop, les faire en montage. Voilà, donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo. Sur ce, please bye. Bon, salut à tous et à tous, c'est Rossad 8. On se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 6. Donc peut-être épisode 7, ça dépendra comment monter la vidéo se passera, si vraiment je peux pas faire parce que ça prend trop de place sur mon téléphone portable, je suis obligé de l'enregistrer en 720p, enfin que je peux pas enregistrer en 720p, ben ça sera l'épisode 16, voilà, il sera peut-être court. Alors monsieur Scar, vous allez vous calmer. Là j'ai fait bon, j'ai l'impression que au niveau des dégâts, j'ai fait plus de dégâts que ça. Ah si. Voilà. Bon. J'aurais peut-être pu enregistrer vers la suite. J'aurais peut-être enregistré les vidéos. J'espère qu'il n'y a pas d'autres combats, c'est bon, là on en a affaissé quand même, on en a affaissé pour aujourd'hui. Oh merde. Ça trouve, je pense, un truc, parce que en bas d'écran, une espèce de jauge, enfin une espèce de cercle, c'est peut-être ça. Une amélioration pour je sais pas quoi. Hein. Je ne sais même plus la technique que je voulais dire parce que j'entendais un bruit bizarre. Bon, quasiment pour le faire. Et comment dire, va falloir, comment dire, de le voir avec une peau très, 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 très réaliste, très, comme si c'était en version réelle, quoi. Bon, moi je vais m'arrêter là pour l'épisode 7. Pour la deuxième partie de l'épisode 6, peut-être l'épisode 7, voilà. Désolé de faire un épisode court si c'est l'épisode 7, mais voilà. J'ai quand même pas mal galéré contre les boss hein, dans l'épisode 6, les espèces de Hulk. Donc voilà. Donc j'espère entre temps trouver une parade pour péter leur regard, parce que des fois ça devient chiant. Bon, le seul que j'ai trouvé pour le moment, c'est de faire la technique de Naruto où il fait l'espèce de sphère dans sa main et puis il s'approche. Peut-être si j'arrive bien à gérer les combos pendant qu'ils sont parés, je peux vite fait attaquer ça. Autrement, il faudrait que j'arrive à le contrer. Ou soit il faut que je trouve des techniques, des petites capacités qui pourraient améliorer l'attaque, la défense, l'esprit, tout ça. Enfin, j'ai trouvé ça, mais après je sais pas comment on les attaque dans les équipements, voilà. Puis j'ai profité de faire, je pense, pas mal de quêtes secondaires. Donc, bien sûr, s'il y a des phases qui s'enregistrent, je ferai peut-être des enregistrements, puis après les stocker sur un disque dur, enfin, et puis je ferai tout le truc. Voilà. Donc, j'ai aussi modifié un peu mon équipement. On a tenu, je vais la rester similaire. Mais je vais peut-être plutôt, comment dire, changer un petit peu les chaussures. Puis peut-être une arme, je sais pas, peut-être rajouter des petits trucs. Au niveau des attaques, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Peut-être que je sens peut-être le Kamehameha pour en prendre un peu puissant. Voilà, et puis sur ce, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo, si vous avez fait ça, bye.